Caroline, pour retrouver nous, yo l'autre fois encore, sous Chanel, petit rendez-vous. C'est toujours le même principe là. Sous Chanel ça, moi publier vidéo cuisine haïtienne, cuisine créole et caribéenne. Je dis à, moi prendre montrer nous comment moi préparer une bonne sauce calalou gombo, sauce pois noir, du riz blanc. Façon femme l'aimer, façon femme au cap. Si vous pouvez abonner, ma vidéo, fais ça, pas oublier, activer notification. Comme ça, ou pas jamais manquer aucune vidéo ma publié sous Chanel là. C'est parti. Pour préparer une sauce calalou gombo, mais qui ça m'a besoin? Viande bœuf, siric, ou ka mette krab tou, crevette et gombo. On se fait sauce calalou gombo a, m'a besoin laver gombo a. Mwen fin laver gombo a, bien laver. Mwen pran yon serviette ou bien yon sopalè. Mwen seche gombo a, m'a essuyé gombo a. Si vous voulez, vous pouvez prendre un touchon propre aussi pour finir pour sécher le gombo. Sauce calalou gombo, gagne un jampoulier pour ne pas glisser. Nous pouvons remarquer, je ne pas couper le gombo dans l'eau. Si vous faites sauce calalou gombo, ou pas doué couper le gombo dans l'eau. Et deuxièmement, vous gagne un jamb pour couper le gombo pour ne pas glisser. Moi pour le montrer nous deux façons. Pour gombo a pas glisser, ou doit couper gombo a comme ça. Ou couper derrière gombo a ou bal yon ti coup nan mitan. Si ou couper gombo a comme ça, gombo a sauce calalou gombo a la glisser. M pas supposé ouais grain gombo a lè ou couper tête gombo a. D'accord? Montrez-nous deux façons pour éviter sauce calalou gombo à glisser. Pour sauce calalou gombo à pas glisser, ou doit couper gombo à comme ça. Pour montrer-nous comment m'a nettoyer siric là. Si vous pouvez faire sauce gombo ou pas de ventis, ou pas ka dim pour pas mettre siric là dedans. On a besoin couper zongyo. Là mes parties nous doit nettoyer. Nous besoin bien foubi ça pour nous retirer. Et après n'a besoin aussi enlever partie ça dans ce truc là. N'a enlever aussi l'embrite là. Ça noue les lombrites, moi c'est comme ça, m'était toujours tendu à Haïti après bon. Maintenant, moi pour le bail, c'est là citron. Toujours m'utiliser citron vert. Comme moi dis non, nous qu'à utiliser n'importe citron ou gain. Moi te fin bay sik moi en citron. Maintenant, moi pour aller rincer. Viande moi en fin nettoyer moi pour aller pisser. Moi pour montrer nous comment moi pour tout faire gombo nan. Moi mette yon chaudière un peu d'huile dans chaudière là. M'attend l'huile la chaud pour moi ka mette pat tomate là. L'huile la chaud, moi mette 2 cuillères à souple de pâte tomate. Pâte tomate moins fine bien cuite pour que la viande moins en belle couleur. Pour pâte tomate moins pas faire sauce moins sûr, faut pâte tomate là bien cuite. Maintenant, ma mettez viande dans la pâte tomate là. Viande moins dans la pâte tomate là. Avec l'huile là, m'a baissé du feu à
tout doucement. Moi pas mettre de l'eau. Moi pour étouffer viande pour le bouillir avec un acide li avant moi rajouter kalalou gomboa. Moi te mettre viande moyen mijoter avec acide li. Mboko jam mette dlo nan viande moyen. Sa nou e la, se dlo acide viande nan. Pou le bon nou dlo acide viande nan, fò nou mette viande nan bouyi sou yon du feu très 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 doux. Maintenant, mwen poal tout fè kalalou gombo nan. M'ap mette gombo a nan viande nan. Mwen fin mette gombo a sou viande nan. Toujou dlo choud. M'pa mette dlo fwet nan kelke swa sa m'a fè, le m'a fè manje. Mwen mette dlo bouyant. M'a mette yon bouketin. Yon piman ki gen jirof pike la dani. Pou vyan nan ka bien bouyi avèk gombo a. Pou ki sa mwen pa mette kovèt lan, kovèt mwen yon deja prepare deja. Mwen pou al moutre nou ki lè, ma prajoute li. Mètnen, kalalou gombo, se tankou lè wap fè lalo. Fòl byen toufe, pou l byen kuit, lèl kuit la boyon ti koule, kom si li vle mòv. Fòl parete ver kom sa. La, ma toufe kalalou gombo mnan, paske fòl byen toufe. M'ap detoufe gombo nan pou mwen ki sa gombo nan ban mwen. Nou e gombo a ki koule li bay. Gombo a pa supose ver. Nou e gombo a li bay yon ti koule maron pa. Yon ti koule li pa dwe ver. Ok? Sa m pou al fè maintenant. Mwen pou al retire gombo a nan viande nan pou gombo a pa krasé pandan ke mwen pou al prepare sos la paske son viande bœuf, se avèk viande bœuf. Mwen fè gombo a fò viande nan byen kuit. Kòm viande mwen an pou ko fin kuit, m'ap retire gombo a pou m ka lese vyan mwen fin byen kuit. E gombo a sa fè 1 heure de tan li tap bouyi la paske fò gombo a byen kuit. Me ki koule gombo a dwe bon nou le gombo a kuit. Mwen fin retire gombo a. Pou ki sa mwen lese viande mwen bouyi. Nou men fòmò kap le nap fè viande nou, viande nan pou ko kuit. Nou pa nan goumen avèk viande. Viande nan supose byen kuit. Viande nan supose lage. La mwen pa lese viande nan bouyi pou l byen kuit. Se la mwen pa rajoute krevèt mwen. Pou ki sa se konnen m'ap rajoute krevèt la? Krevèt la, se yon krevèt ki deja kuit deja. Sinon, depi lèm tap toufe gombo a, ak viande bœuf la, ak sirik la, ou dwe mete krevèt la. Men kom krevèt mwen an son krevèt ki deja semi kuit, du kou, se la metnan mwen rajoute krevèt la pou krevèt la avèk viande nan fin kuit ansanbl. Mwen pou al retoufe viande mwen pou viande nan pa byen kuit, byen lage. Mwen rekouvri viande nan pou l rebouyi. Mwen pou al retoune nan sos kalalou gombo mwen an, m'ap gade ki sa viande nan bay. Viande nan kuit. Nou wè zanmen yo. Ou pa goumen avèk viande. Lè ou depoze fouchèt la avèk kouto a, ou supoze koupe viande nan, san goumen. La viande mwen byen kuit.
N'a pas remarqué, il y a un pile sauce. Moi, je m'a fait sauce à la gombo, je pas de vider de l'eau, vider de l'eau. C'est même reste sauce viande, non, je rajouter de l'eau là. Moi, je vais rajouter à la gombo, non. La donne qui pour bon sauce là. Nous pas faire moussa gombo, n'a fait sauce kalalou gombo. Mes gombo m'nan te retiré. Maintenant, moi pral rajouter gombo à dans sauce là. Les moi fin rajouter gombo à dans sauce là. Ou pas passer cuillère dans sauce kalalou gombo. Ou prend chaudière ou secouer sauce là. Pour tout gombo a rentrer dans sauce gombo. Voilà. Maintenant, moi pral quitter sauce kalalou gombo m'nan bien mijoté. L'elle fini, m'ap montre nous comment sauce la doit kembe kol. C'est pas moussa gombo n'a fait, c'est sauce kalalou gombo. Pendant sauce kalalou gombo m'nan a bouilli pour le réduire. Moi rajouter un petit beurre là-dedans équivalent à 2 cuillères à soupe. Sauce kalalou m'nan prêt mesdames. Meli. Pour pas passer cuillère pour une deuxième fois m'a répéter ça pour kalalou a pas craser. Noue sauce kalalou m'nan, mwen pa rajoute sel, mwen pa gen m rajoute. C'est ça qui fait lè ou a fait sauce kalalou gombo. C'est depuis lè ou a trempé viande nan pou pa rater sauce la. Li gen goût, li gen acide, li gen sel normal, li gen tout sal doit gagner. La sauce mwen en prêt, mwen pral couper du feu an pou m rajoute juste un peu d'oignon sous lit et puis sauce la bon. Là, moi couper du feu en m'a mettre oignon à la dernière minute. Bon, gen moun qui remet les oignons cuits, moi pas remet les oignons trop cuits. Voilà. Mes sauce moi en mesdames. Et voilà.